Peace. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool Mike. Et aujourd'hui je vais présenter une vidéo très spéciale parce que dans cette vidéo, je vais tout simplement vous donner 160 codes bêta les potos. Oui, vous avez bien entendu, 160 codes bêta. Pourquoi 160 codes bêta? Ben tout simplement parce que j'ai 40 codes bêta à donner. Et en fait maintenant, à la place de donner un code bêta par code que je devais noter sur le site, ils en donnent directement 4. Alors déjà, première chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai 4 codes ici. Donc il n'y en a que un qui a été utilisé sur les 4. Donc c'est celui-ci. Mais vous pouvez quand même essayer de l'utiliser. Donc c'est des codes directement téléchargeables pour Xbox. Ici c'est pour Battle.net, donc j'en ai 4 de Battle.net qui n'a pas été utilisé. Et ici c'est sur PlayStation 4, donc j'en ai utilisé qu'un des 4. Donc vous pouvez déjà essayer sur le PlayStation Store ou alors sur l'Xbox Live ou alors sur Battle.net tout simplement pour essayer de télécharger la bêta. Alors les codes que je vais vous donner, c'est je vais vous donner 40 codes, donc c'est des codes comme ça que vous allez devoir taper tout simplement sur le site. Et quand vous allez taper sur le site, donc copier, vous le tapez sur le site comme ça, hop, coller. Et vous appuyez sur Enter, donc là ils vont vous donner 4 codes bêta juste ici au-dessus. Donc bien sûr, vous choisissez la plateforme, donc PlayStation, Xbox, Battle.net, et ils vous donneront 4 codes qui se noteront ici. Donc moi j'ai essayé pour deux autres plateformes parce que hier j'avais jamais essayé pour Xbox et pour Battle.net, mais on m'a dit qu'il y avait des problèmes à propos de mes codes. Enfin, des codes, de certains codes. Alors j'ai été tout simplement sur mon PC, j'ai essayé sur Xbox, ben, ça fonctionne, je reçois des codes de téléchargement. Et sur PC, je reçois des codes de téléchargement aussi. Donc à mon avis, vous aussi, vous allez pouvoir le télécharger. Alors, j'ai une personne qui a utilisé le quatrième code ici apparemment. Et elle me dit que le téléchargement c'est fait, mais le téléchargement ne se lance pas. Alors mon beau-frère a aussi utilisé un code de téléchargement pour Battle.net, mais pas un des 4 là. Et il me dit que le téléchargement, il a pu le télécharger la bêta, mais il ne peut pas y accéder avant demain. Donc je ne sais pas, il y a peut-être des problèmes chez Call of Duty. Mais bon, bref, moi je vous avais dit que je vous donnerais les 50 dernières autres codes. Par contre, j'en ai déjà donné 10 autres. Donc voilà, donc là il n'y en a que 40. Donc 40 x 4, ça fait 160 codes les potos. Ce qui est bien, c'est que quand vous allez noter un des codes que je vais vous donner ici dans la liste, eh bien vous allez obtenir 4 codes personnels pour vous. Donc vous allez pouvoir le donner à 3 autres personnes. Donc vous, plus 3 autres personnes. Donc si vous avez de la famille, des amis ou quoi, vous allez pouvoir leur donner. Et ça, c'est vraiment génial. Alors tout simplement, pour vous prouver que je ne raconte pas du fake, vous avez vu ici, j'ai noté un code au hasard, donc c'était celui-là. C'est un code que j'ai donné en live et qui a déjà été utilisé. Il est marqué ici, ce code a déjà entré, le code que vous avez entré a déjà été utilisé, ok? A déjà été utilisé, ok? Donc ça veut dire que ce code là a déjà été utilisé et je ne peux plus l'utiliser parce que bah, tout simplement il a déjà donné 4 codes, voilà, soit pour PlayStation, soit pour Battle.net, soit pour Xbox, ok? C'est vous qui choisissez la plateforme. Alors mettez bien le même lieu que votre compte, hein, PSN ou Xbox Live ou Battle.net, parce que bah, si vous mettez un compte, je sais pas, français et que vous êtes belge, bah, c'est possible que vous ne puissiez pas télécharger la bêta. C'est peut-être pour ça que mon pote n'arrive pas à lancer le téléchargement, je ne sais pas du tout, enfin bref. Je ne sais pas, je ne suis pas chez moi, je ne peux pas faire de test. Je suis en Espagne, c'est mon dernier jour de vacances en Espagne. Demain, je reprends la route et puis après, bah, je fais une petite arrêt en France. Mais bon, je suppose que vous en battez les couilles de ma life. Bah, donc, on va directement passer au code. Enfin bref, donc pour vous prouver que c'est bien des codes valides que je vais vous donner, tout simplement, tout ça, c'est des codes que j'ai déjà donné. J'ai donné plus de 200 codes, le poteau. Alors, je tiens à faire une grosse dédicace à Calimero parce que c'est Calimero qui m'a généré un maximum de codes. Plus, bah, moi, j'en ai généré quelques-uns. Plus d'autres personnes qui m'en ont généré aussi. Donc merci à tous ceux qui m'ont aidé pour les codes. Alors tout simplement, ici il y a aussi un code que j'ai donné à Johnny. Je ne sais pas s'il l'a utilisé, mais c'est un code PSN, ok? Donc vous pouvez essayer de l'utiliser. Donc tous ces codes là, ils ont été utilisés à chaque fois que vous voyez un mot à côté du code. Par exemple MABS, ça veut dire que le code, je les ai tous vérifiés, il a été déjà utilisé. Donc j'avais donné plusieurs codes à MABS, mais dans son live, il y a des personnes qui ne l'ont pas utilisé. Donc regardez, entre ces deux codes là, donc ce code là, donc entre celui là et celui là, ben, les personnes dans le chat les ont utilisés, mais les personnes dans le chat n'ont pas utilisé celui-là. Donc c'est pour ça que parfois il y a des trous. Et quand il y a un trou où il n'est pas marqué MAP, ça veut dire que le code est toujours valide, ok? Je les ai tous vérifiés pour justement bah, vous les donner. Donc ça, c'est un code valide, ok? Donc pour vous prouver qu'il est bien valide, je fais copier, je vais ici. Donc on s'en fout, hein, qu'il y ait des tirets, des points, des espaces, on s'en bat les couilles. Regardez, il y a des tirets, ils vont tout simplement les effacer et mettre le code.
Hop, donc voilà, ça charge. Là, je descends et regardez ce qu'ils mettent maintenant. Ce compte Call of Duty a déjà utilisé un code pour cette plateforme. Donc, ça veut bien dire que le code n'a pas été utilisé. Ils disent que ce compte PlayStation, donc mon compte PlayStation, parce qu'il faut bien sûr se connecter avec un compte. Ne me demandez pas comment on crée un compte Call of Duty. Je l'ai fait il y a des années de ça, donc je ne saurais pas vous dire comment on fait. Enfin bref, de toute façon, je suppose que ça ne doit pas être trop compliqué. Ça ne doit pas être vraiment chinois. Mais bon, ça veut bien dire que ce compte a déjà utilisé un code. Donc, il ne peut pas utiliser un deuxième code, ok? Donc ça veut dire que le code a bien été validé. Donc ça c'est un bon code. Et donc tous les codes que vous voyez ici, donc il y en a une quarantaine, hein, exactement je crois qu'il y en a 42 ou 43. Donc tous les codes, par exemple tout ça, plus celui-là et plus tout cela n'ont pas été utilisés. Ok? Donc tous ces codes-là, donc je vais les descendre, hein, regardez. 1, 2, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41, voilà, il y a 41 codes de poteau, plus les, tous les codes que je vous ai donné ici, plus le code qu'il y a ici, qui fonctionne aussi normalement. Donc ça, je peux pas vous le prouver, mais normalement, il fonctionne. Donc ça, c'est uniquement pour Xbox, Battle.net, et PlayStation, ok? Donc c'est des codes à taper sur le store. Et le code que vous allez choisir, je suppose que vous avez bien compris, vous allez choisir un code que je vais vous donner, que vous allez prendre ici. Vous allez copier sur le site. Bien sûr, je mettrai le site. Le site en question, c'est celui-là. Je le mettrai en description de cette vidéo. Vous tapez le code, vous choisissez votre plateforme et vous recevez 4 codes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je ne ferai plus aucune autre vidéo normalement. Je ne posterai plus d'autres vidéos à part... je vais essayer d'être là pour la sortie de la saison 6 de Fortnite. Je ne sais pas si je serai là à temps. Mais bon, voilà, je vais rentrer en France. Je vais faire une petite escale en France. Je vais aller voir Johnny, je vais aller voir mon père. Je vais aller voir enfin, voilà, plusieurs personnes. Et puis après, je rentrerai seulement en Belgique. Et j'essaierai d'être là pour la sortie de la saison 6 de Fortnite. Mais je ne promets rien. Donc je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager un maximum pour que tout le monde puisse tester la bêta. La bêta sera disponible jusqu'au 17 septembre. Donc voilà, bêta ouverte à partir du 15 ou 17, enfin je sais pas, je sais plus c'est quand, mais je sais qu'à un moment, il y a un jour où la bêta sera ouverte, mais uniquement pour les joueurs PC. Pour ceux de la PS4 et ceux de Xbox, vous êtes obligé d'avoir un code promo, un code bêta comme je suis en train de vous le donner ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Vous savez, vous connaissez bien les bails. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Les potos, c'était Soir Coolo Mike. Et ciao, peace, amigo.